accueillir ce soir. Nous sommes réunis donc pour fêter le 12e anniversaire de cet équipement de la ville de Paris et surtout pour célébrer les projets, qu'ils soient artistiques, solidaires, citoyens, que vous, association, menez tout au long de l'année. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Christine Lemardelet, qui est donc adjointe à la maire de Paris, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante. Les acteurs de la vie politique, les acteurs qui changent les choses, qui peuvent éventuellement changer les choses, ont intérêt à vous écouter et à suivre vos idées. Que les étudiants fourmillent d'idées et que, je dirais presque, il suffit de leur donner des lieux pour se réunir, pour qu'ils créent de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et souvent des idées très généreuses, qui demandent surtout qu'on se parle et qu'on communique ensemble. Il y a beaucoup de résistance encore du milieu académique vis-à-vis de l'investissement associatif. Et moi, je sortais mes statistiques en montrant que les étudiants qui s'impliquent le plus dans la vie associative sont ceux qui réussissent le mieux à s'insérer professionnellement. Longue vie à l'AMI. Merci.